Organisés en coopérative, mais exerçant jusqu'ici dans l'informel, ces auto-entrepreneurs reçoivent leur agrément de coopération, faisant d'eux des opérateurs économiques reconnus par l'administration à Mouila. L'attachement à la ville de Mouila se traduit encore aujourd'hui par la cérémonie de remise de kit de pêche destinée aux coopératives de Mouila exerçant dans ce domaine. Votre action aussi rentre dans le droit fil du plan d'accélération et de transformation de son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui veut faire du secteur de la pêche un moteur indispensable de la diversification de l'économie et des sources de création de richesses. Cette régularisation fait suite à l'inauguration du centre d'appui à la pêche artisanale de Mouila par le président Ali Bongo Ondimba au cours de sa visite républicaine dans la province. Occasion pour l'un de ses soutiens dans la localité de contribuer à la principale activité de ses pères et mères de famille à travers l'achat de matériel de pêche. La coopérative constitue la preuve juridique de votre existence, la preuve juridique de l'exercice de votre activité. Une activité que vous avez exercée pendant longtemps de manière informelle et qui aujourd'hui est exercée de façon formelle, c'est-à-dire que toute l'administration reconnaît votre droit à exercer cette activité. Et tel élément que personnellement j'attendais depuis longtemps, avant de commencer à renforcer vos capacités par le don qui va vous être remis aujourd'hui. Parce qu'on ne remet pas à des gens qui n'existent pas, il faut remettre des dons à des gens qui existent. Les pêcheurs molvillois se sont montrés reconnaissants pour cette marque de soutien à l'heure où le Gabon veut encourager le secteur de la pêche comme source de développement économique. C'est pour nous une joie que de recevoir ces kits. Nous louons son Excellence Ali Bongo Ondimba, que ce soit continuel par rapport à ce qui nous a été remis comme don glaciaire avec tout l'équipement de pêche. La mutualisation des efforts, se mettre en coopérative pour les populations et le soutien étatique peuvent constituer la recette pour améliorer les conditions de vie des populations.